Bagayo continue ma bien dans pays Ukraine. Yo paquet dizaine missiles calibre lancé sous pays Ukraine. Russie là qui pas jamais suspendre bombarder. Yo paquet côté dans pays Ukraine avec des frappes massives sous terrain ukrainien yo. Après yon bombardement intense de infrastructures critiques ukrainiennes dans matinée journée 11 octobre 2022 yon, yon paquet autorité locale alerté sur paquet nouveau tir de dizaines de missiles croisés calibre. Autorité locale yon dans pays Ukraine inquiété pour Jean Bagayo yé nan moment. Mes amis, après que yon t'écrasé pont de la Crimée, après ça, Vladimir Poutine qui se président russe te fait déclaration, te fait connait que ça pas prêté sans pas de conséquences en retour. Depuis là ça, c'est conseil à bombarder pays Ukraine, nous paquet missiles, yon paquet frappe massive cap tombé sous territoire ukrainien yo et ça qui vraiment délicat dans moment. Yon l'autre bonne information ça nous ministère russe de la défense qui sorti bilan combien d'armes qui détruit et dans vidéo ça on parle tout détail. Comment nous y ça a fait nous pas c'est Wood Asian et c'est toujours un grand plaisir pour me rester connecté avec vous. Unique façon qu'on capable montrer qu'on aime travailler ça, c'est prendre vidéo ça, partager tout côté net, like vidéo ça, le like, le partager, le abonner ou ben plus encouragement pour me toujours servir. Yo une salutation spéciale pour chaque grain haïtien dans pays d'Haïti, République Dominicaine, Brésil, Chili, Canada, pays les États-Unis, la France, Bahamas, Guadeloupe, Guyane et mon Mexique qui toujours été connecté. Nous importe pour travailler ça, chaque fois moi vidéo yo gain like, yo gain partage, nous ben plus encouragement pour me toujours servir nous. Yo paquet dizaines de missiles calibre lancé sous Ukraine selon autorité locale pays ça. Une dizaine de missiles croisières t'est tiré depuis dans ville russe de Saratov et une autre dizaine depuis dans la mer Caspienne, c'est ça qui est indiqué par maire de Kryvyi Rog. Bagayo continue compliqué, dizaine de missiles de croisière cap tiré depuis dans ville russe de Saratov là et puis qu'elle tombé dans paquet ville importante dans pays Ukraine. Dossier ça, les changer phase, les chavirer net, ces missiles cap tombé dans un paquet territoire ukrainien et bagayo compliqué. Volodymyr Zelensky bois maré pour li pa kowe sal capable faire nan dossier gè sa toujours. Est-ce que pa gè chita pale? Nous pa konnen, nous la nou même pour une bonne information crédible et adéquate. Temps de vol de type de missile sa yo environ 30 à 40 minutes. Pita, tout média ukrainien yo fait état de nouvelles explosions dans paquet région de Zaporozhye, de Nikolaev et Dnipropetrovsk. Nouvelle salve sa te rapporté juste après une série de frappes qui vini nan matinée 11 octobre 2022. Yon paquet missile te frappé, yon paquet type de Odessa, Vinitsa, et Zaporozhye, Otchakov et Nikolaev. Est-ce qu'on t'a dit qu'il va des villes qui touchaient par type de missile sa yo? Et il pa prend un pile temps, seulement environ 30 à 40 minutes, l'autant de ça, ville sa yo bombardé dans le pays Ukraine. Yon paquet missile tiré, yon paquet série de frappes qui vini, dans matinée, dans journée 11 octobre 2022, yon paquet missile frappé, yon paquet type dans Odessa, Vinitsa, Zaporozhye, Otchakov et pas oublier Nikolaev touché par rapport avec frappe de missile sa yo. Frappe intense sa yo qui vini après reprise de un paquet de bombardement qui était débité 10 octobre 2021 côté état de tuyon importante partie de un paquet d'infrastructures énergétiques ukrainiennes yo. Escalade sa tout qui vini après attaque ukrainienne contre pont de la Crimée qui relie péninsule à partie des continentales de la Russie. Est-ce qu'on t'en dit qui cause qui fait bombardement ça yo a fait dans le pays Ukraine? Dans la vidéo, je te dis ça. Après le pont de la Crimée qui est écrasé, bagay yo pas d'apprêter comme ça. Pas oublier, ministère russe de la défense te parlé et Vladimir Poutine te confirmé et affirmé que Russie te déjà commencé à faire un paquet d'attaques dans un paquet de villes, par exemple, Kiev, un paquet de villes importantes dans le pays Ukraine. Est-ce qu'on te dit ça qui a passé là? Après pont de la Crimée fin crasé, c'est comme ça, missile a tombé tout partout dans le pays Ukraine. Pour rappel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a publié 1er octobre 2021, il était menacé russe parce qu'il a tué grain par grain dans le bouc émissaire là. Et nous avons le ministère russe de la défense qui a déclaré qu'il a retiré toute troupe dans la région ça. Par crainte de un encerclement. Tenez bien, ministère russe de la défense te déclaré que yo ta retiré tout troupe yo par peur de yon encerclement dans ville de Liman. Et là tout que te voye tête yo dans li ki pi favorable yo, Kiev te revendiqué que ville qui rele Liman nan men troupe li yo.
Dossier guerre ça pas facile dans moment côté président ukrainien pas jamais suspendre faire gros déclaration et président ukrainien Volodymyr Zelensky fait qu'on est pas prêt pour négocier avec Vladimir Poutine, li pas sous négocier, li pas négocier avec assassin criminel, c'est comme ça qu'il juge Vladimir Poutine et li fait qu'on est pour le moment li prêt pour prendre soldat russe grain par grain jusqu'à ce que yo retire tête yo dans région qui important yo et pas oublier ministère russe de la défense t'a affirmé que yo t'a retiré tout troupe yo dans zone ça dans ville ça qui est Liman. Yo l'autre bonne information ça dans façon qu'a dérouler guerre dans pays Ukraine nous ministère russe de la défense qui sorti bilan et bien suite avec reconnaissance de indépendance de toute république populaire Donetsk et Lugansk la Russie t'a lancé une opération militaire en Ukraine justement pour capable démilitariser et dénazifier régime Kievlan. Eh bien, résumé déroulement ça de opération militaire et résultat russe kounya avec ou. Ministère russe de la défense by note concernant tout ça qui détruit bon côté ukrainien yo, li gen 380 systèmes de défense aérienne S-300 Buk-M1 et OSA qui éliminé et un grain qui éliminé par jour. Gen 6677 chars et un paquet l'autre armure qui éliminé et 38 qui éliminé par jour. 3465 canons et mortiers artillerie de campagne qui éliminé, 868 lance-roquettes multiples qui éliminé dans pays Ukraine. Gagné 319 avions qui crasé dans pays Ukraine contre différence youn par jour, 161 hélicoptères qui éliminé, différence youn par jour qui éliminé, 2199 drones qui crasé plate dans pays Ukraine contre une différence 4 par jour. Et 6496 unités de machines qui crasaient différence 13 par jour. Est-ce qu'on entendait qu'il valait dégâts que soldats russes a fait dans le pays Ukraine côté un paquet de gros armes par jambes suspendre crasé et pas oublier c'est un paquet de milliards de dollars qui investit dans armes ça yo et un paquet de pays occidental qui investit et ne pas oublier pays les États-Unis qui intègrent avec toute colle dans dossier guerre ça côté a fourni armes et fourni l'argent. Et majorité zam sa yo, c'est des zam que paye les États-Unis founi by pays Ukraine. Pas oublier, nous gè président ukrainien Volodymyr Zelensky récemment qui fait déclaration qui fait qu'on est qu'il pas négocier avec président russe qui c'est Vladimir Poutine. Et bien on capable ouais guerre ça pas fini kounya si toutefois pas gagne un shit à parler, pas gagne un tab bien long côté deux présidents ça yo capable réuni pour discuter concernant guerre ça. Pas oublier, en pile soldat tombé bon côté russe, en pile soldat tombé bon côté soldat ukrainien yo. Ça qui essentiel dans moment, c'est une entente, c'est un shit à parler. Mais pour entente là, pas qu'on gagne, pas oublier tout. Dossier gaz là, li important pour mentionner dans la vidéo ça, côté manifestation continue à faire en pile côté chaque week-end, presque chaque week-end dans le pays Europe yo. Nous gagnons Allemagne, Angleterre, la France qui pas d'accord avec Jean Barayou. Il a parlé de population pays yo qui revendiquait par rapport avec Jean Gazlan à monter. Et pas oublier tout, président russe là, qui c'est Vladimir Poutine, qui réponse qu'elle parle capable de bailler dans le jour qui vient là, concernant pays qui d'accord. Plafonnement que l'Union européenne mettait concernant gaz russe ou bien pétrole russe. N'importe pays qui accepte plafonnement ça, yo en bas la Russie. C'est ton plaisir pour te servir. Pas oublier, partager tout côté, bon plaisir, like, yon façon pour capable encourager notre travail.